الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خيرا الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous venons d'arriver deuxième session de nos explications d'un hadith concernant la connaissance. Et la dernière fois, nous venons lire presque la moitié de ce hadith là. Et nous finissons donner quelques bonnes explications légères. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous reprenons le hadith là depuis le commencement, nous l'y ensuite, nous guettons commentaire de Imam Ibn Rajab al-Hambali. Nous disons que Imam Ibn Rajab al-Hambali, il fait un petit traité à peu près d'une cinquantaine, soixantaine de pages pour expliquer ce hadith là. Alors, vous relire le hadith là, un petit peu long hadith là, tu as des bonnes qui finira la première session. Alors, on écoute hadith là et nous guettons qu'Imam Ibn Rajab se bat commenter les fins faire l'eau sa hadith là. Alors, sa hadith là, Imam Ibn Rajab al-Hambali, il dit que c'est Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam al-Tirmidhi, Imam Abu Daoud, Imam Ibn Majah qui mentionne sa hadith là dans un livre. Alors, il fait mention hadith là qu'il y a une personne, fin bin Madi, une personne qui sortit Madina. Le final, Zouen avec Abu Darda radiallahu anhu dans Damas. Alors, Abu Darda, le titre de Damas, nous disons, le titre établi de Damas, ça va pour enseigner du monde, dîner à l'islam, ce sahabi-là, sa grand sahabi radiallahu anhu. Et dans sa personne-là, il voyageait depuis Medina et il allait dans Damas. Le Zouen avec Abu Darda, Abu Darda radiallahu anhu, fin de dire, oh mon frère, qu'est-ce que tu as finalement toi vers moi? Alors, ça, du monde-là, fin de dire, un hadith qui m'a fait apprendre, qui te peut rapporter ça, depuis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, alors mon envie d'en ce hadith-là, direct avec toi. Alors, Abu Darda fin repose les questions, est-ce qu'il te pas fait venir, est-ce qu'il te pas fait venir pour un autre besoin? Il a dit non. Abu Darda repose les questions, radiallahu anhu, est-ce qu'il te pas fait venir pour faire commerce? Il dit non, il m'a pas fait venir pour faire commerce. Abu Darda repose les questions, est-ce qu'il te pas fait venir, est-ce qu'il te fait venir, juste pour ce hadith-là? Sa personne-là fin dire oui, me fin venir juste pour apprendre ce hadith-là. Alors, tu commentes là la dernière fois, je t'ai expliqué un petit peu plus en détail, là, le pésis passe là. Léla Abu Darda radiallahu an, lui dit avec sa djimoun-là, Inni sami'atu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yakoul. Certainement, me fin tan Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam dire, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, سلك الله له به طريقا الى الجنه. Celui qui prend un chemin, la richesse, la connaissance, Allah facilite pour lui par ça un chemin vers le paradis. وان الملائكه لا تضع وان الملائكه تضع اجنحتها رضا لطالب العلم. Certainement, ban malaika je t'étale les ailes pour celui qui est en quête de connaissance. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. Et certainement, le savant, tout ce qui est dans les cieux et la terre, je demande pardon pour le savant. حتى الحيتان في الماء, jusqu'à même poisson, ban poisson dans de l'eau, je demande pardon pour le savant. Alors, la dernière fois, nous faisons un petit peu élaborer le hadith jusqu'à ce point-là ici. Alors, nouveau, ben, une parole, il continue le hadith là, à partir là, nous partons lire li, là, un petit peu plus lentement. Wa fadlu al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari laylat al-badri ala sa'iri al-kawakib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue de dire la supériorité du savant sur le dévot, al-abid, celui qui passe sur les temps dans l'ibada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la supériorité du savant sur le dévot, celui qui passe sur l'état d'un ribada,
كَفَضْلِ الْقَمَرِ L'icomagia supériorité de la lune, Laylat al-Badr, quand les pleines, 15e nuit, 13, 14, 15, c'est ben la nuit quand la lune les pleines, les ronds. Et le prophète dit la supériorité du savant sur le dévot, il paraît comme la supériorité de la lune quand les pleines, à la sa'ir al-kawakib, l'eau ban les autres astres, ban les étoiles qui sont dans le ciel. Et ça bout là, nous fait un petit commentaire. Et ben, ça va finir expliquer comment nous trouver Imam Ibn Rajab, il dit qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare le savant avec la lune, et ben, Ubad, ben, qui passe l'état de Ribada avec ben, les étoiles, ben, les autres astres, qui pas aussi gros, pas aussi brillant que la lune. Alors, Imam Ibn Rajab, il dit la lune, quand il fait noir, quand il y a pleine lune, ou capable aussi dans la nuit, à la lueur, sa lueur qui apparaît depuis la lune, il frappe la terre, ou capable aussi dans le noir, ou trouve au chemin. Mais par contre, les étoiles, si on a des étoiles, dans l'obscurité, il n'y a pas, la terre, il n'y a pas tellement bénéficié. Alors, ça, c'est l'exemple du savant, la lumière de la lune, sa lueur de la lune, là, c'est sa lumière de guidance qui émane depuis un savant. C'est lumière de guidance qui émane, qui sortit des pieds d'un savant. Un savant lit, quand il a la connaissance, par cette connaissance, ben les autres dimensions ont une guidance. Par contre, ça habite, c'est lui qui passe sur l'état d'un ribada. Ce ribada, il est pour lui. Ce ribada, ce lumière, il n'est pas sa astre, sa étoile là, sur la lumière, il existe pour lui. Comme ça, même ça habite là, ce lumière, il est pour lui. Par contre, lumière qu'il y a avec un savant, ça lui bénéficie des autres dimuns. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue de dire, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Certainement, savant, ban ulama, warathatul anbiya, c'est ban héritier de ban prophète. C'est ban, quand on dit mon mot, on quitte l'héritage. Ban Ambiya, c'est ban héritier de ban ulama, ban savant, c'est ban héritier de ban savant, c'est ban héritier de ban prophète. Wa inna al-Ambiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Ban prophète, je pas quitte derrière eux dinar et dirham. Dinar et dirham, c'est pièces en eau et en argent. Dinar et dirham, c'est une pièce qui te peut servir l'eau et l'argent dans le passé. Je ban pièce, c'est l'argent, c'est en silver et gold. Ban prophète, je pas qu'il dise dinar ni dirham. Innama warathul ilm. Ban prophète, je quitte dise la connaissance. Ban prophète, quand je peux quitter sa dunya là, je pas qu'il dit bien matériel. Je quitte la connaissance. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. C'est lui qui fait prend sa connaissance là, vraiment, il fait une gagne grand quitteuse. Alors, ce hadith là aussi montre-nous, en bref, après nous pourrons revenir avec l'explication d'Imam Ibn Rajab, sa connaissance qui ban savant, je ne quitte, ce n'est pas connaissance mathématique, anglais, français, chimie, non. Parfois, il y a un monde, je prends hadith qui me cause la supériorité de la connaissance. Je applique ça pour connaissance mondaine. Non, ça va un hadith qui fait cause la supériorité de la connaissance, c'est supériorité de la connaissance de Dîn. Qui fait parce que la connaissance mondaine, pas besoin ainsi de Dîn pour acquérir. Les Dîn n'ont besoin d'acquérir la connaissance mondaine parce qu'ils ont besoin de vivre. La cause pour trouver un kafir aussi, kafir là, ils peuvent être lauréats, ils peuvent gagner une distinction. Parce que qui fait la connaissance là, tout le monde a besoin de sa connaissance matérielle là. Ça, tout le monde bizarre les mêmes, ça. Mais sa connaissance, qui du monde pas prend compte là, c'est l'eau là qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vient mettre en phase pour qu'il du monde acquérir sa connaissance de Dîn. Donc, ça, c'est pour montrer qu'il y a un du monde, je lis un hadith, de pas, je fais rien de comprendre hadith. Donc là, nous prenons ban commentaire, quelques ban commentaire, nous t'y donnons une ban explication la dernière fois. Là, nous t'y hadith, ça termine là. Quand sa parole, celui qui ne prend sa connaissance, celui qui ne prend sa l'héritage de ban prophète, vraiment, il prend une grande quitteuse. Astia nous prend, Hadith termine là, nous, get anticipé, ban commentaire, qui imam, Ibn Rajab, fin, fait mention, quand il fait une commentaire, quand il explique sa hadith là.
Naturellement, l'ilong n'est pas capable de prendre tout, quelques bonnes points. Imam Ibn Rajab, alors, quand nous guettons Haditha, nous trouvons un djimoun qui voyageait depuis Medina, les finales dans Damas, pour y apprendre un hadith. Hadith, wahid, un hadith. Pas pour prendre un hadith, non. Pour apprendre un hadith avec Abu Darda. Imam Ibn Rajab, il commence à expliquer le sacrifice qu'il finit faire dans le passé pour acquérir la connaissance. Il commence avec l'histoire de Moussa alayhi salam. Quand nous pouvons lire dans Surah Kahf, l'histoire de Moussa avec Khidr, nous pouvons trouver que Moussa alayhi salam, il était djibout de ce qawm, ben Israël, un djibout fin pour l'expirer avec eux, qui peut cause avec eux, un djibout fin pose question Moussa alayhi salam, ô Moussa, qui c'est là qui n'a plus beaucoup connaissance. Moussa alayhi salam, il finit répondre, moi. Moi, je n'ai plus connaissance juste dans ce monde-là. Moussa alayhi salam, un nabi. Un nabi, il n'est pas arrogant. Un na'oudhu billah. Un nabi, un rasoul. Il y a un djimoun prêt avec Allah. Mais il n'a plus prêt qu'il y a avec Allah, ce moment-là, sur lequel propre. Il n'est pas fini de dire ça pour l'arrogance. Il finit de dire, moi, c'est djimoun qui n'a plus connaissance qui fait. Parce qu'il était rasoul. À l'époque-là, c'est lui-même rasoul. Lui-même, Allah choisit lui pour envoyer. Donc, il est assez évident qu'il n'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui n'a plus connaissance qu'il y. Mais seulement Allah n'a pas fini satisfait avec sa réponse qui Moussa alayhi salam fin donné quand il finit dire moi n'ai plus connaissance. Allah ta'ala fin dire oh Moussa est un serviteur qui lie n'a plus connaissance que toi. Alors Allah ta'ala une réprimande de sa façon là. Moussa alayhi salam comment Allah fin dire ça, il fin dire ya Rab, comment on parle de avec ça du monde là. Alors nous trouvons que Moussa alayhi salam en tant qu'un nabi quand il connaît mais du monde il n'a plus connaissance qu'il lit tout de suite. Il y en a tellement chaud pour la connaissance, il me dit, oh Allah, comment vous parlez avec ça, djimoun-là? Et là, vous trouvez l'histoire de Moussa avec Khidr. Ça, djimoun-là, c'est Khidr. Dans Surah Kahf, vous parlez à lui, là, Moussa, alayhi salam, Allah, j'ai dit, donnez une indication, que vous avez avec ça, djimoun-là. Et là, Moussa, alayhi salam, il prend ce repas avec ce serviteur, avec lui, ce khadim, je vais voyager. Voyager. Allah, j'ai dit, al-kot majma al-bahrain, kot délamé al-zouen. Là-bas, tu besoin avec sa serviteur-là, tu apprends avec lui. Alors, Moussa, alayhi salam, il voyage sur la Kahf, vous pouvez trouver. Il fait un voyage à une longue distance. Alors, il y a un moufassirine, je finis d'un man détail dans Tafsir. Il a fini de se tanger dans Maroc, côté de la mer Zouen. Il a un moulama qui essaye de déterminer quoi de sa place là été. En tout cas, Moussa, c'est dans l'Égypte, il voyage tout sa distance-là, il cherche sa djimoun-là. Alors, pour montrer qui. Ici, Ibn Rajab al-Hanbali, il mentionne cet événement-là pour montrer que la connaissance, même un prophète finit sorti pour accéder à la connaissance. La connaissance, nous besoin voyager à Al-Siasli. Pour nous gagner une vraie connaissance, c'est un de man sunna pour gagner la connaissance. Besoin faire des efforts, besoin faire sacrifice en général. Non, parce qu'il finit là-bas l'ulama dans le passé, qui n'a pas fini de voyager, dans d'autres endroits même, finit là-bas l'ulama, je finis d'apprendre dans d'autres pays même. Ça aussi. Non. Mais la plupart, ben, savants, je finis de voyager beaucoup pour acquérir la connaissance. Alors, nous trouvons, Ibn Rajab, il mentionne un événement, quelque chose qui finit d'arriver. Masrouk bin al-Ajda', un tabiri, li finit al-Koufa, pour aller jouer avec un djimoun qui tient la connaissance. De NVSC d'Allah subhanahu wa ta'ala, connaissance avec lui concernant NVSC dans le Coran. Masrouk fin sorti Koufa, il fin sorti depuis Koufa, il fin al-Basra, dans l'Irak, il fin voyage. Imaginez ça à l'époque-là, pas t'y a tram, pas t'y a bis, pas t'y a l'auto, pas t'y a avion, t'y a chameau, ou bien à pied. Et beaucoup de ulama fin bossé à pied, de désir pour acquérir la connaissance. Et là, on peut lire dans un livre qui est un savant, fin écrit à Bourouda, les fin compile ben narration concernant Zéfo qui ben savant fin faire. Et là ben muhaddithine je te racontais je dis dans un voyage vers la connaissance je fin urine le sang. Subhanallah, Allah protège nous. Je fin uriner le sang tellement peut voyager peut marcher des désirs peut manger comme a besoin pas peut dormir. Ce savant là les fin urine du sang dans la quête de la connaissance. Subhanallah, qualité sacrifice ben la fin faire. Pour acquérir sa connaissance là. Et la connaissance est lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah subhanahu wa ta'ala dit avec ce prophète, certainement nous pour descendre de toi une parole thaqil, qui loue. À la lumière de sa verset là, ben savant, je dis, la connaissance est lourde.
et nous trouvons beaucoup de monde. Je n'ai pas fait des efforts pour acquérir la connaissance, mais dans toute situation, j'ai envie de donner l'opinion. Beaucoup de la plupart du monde, ils n'ont pas la connaissance, mais seulement ils réagissent pour l'émotion. Quand arrive une petite chose, là, comment dire, pour lui, il n'y a personne qui dit qu'il cherche à lui. Alors, il réagit par l'émotion sans qu'il y connaisse. Comment vous faire jugement? Comment vous déduire, depuis le Coran et de la vie du prophète, façon qu'il vous réagir? Alors, ça, il est vraiment chagrinant de la part. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire pendant l'époque pour venir que l'ignorance, pour widespread. Et pour une ban juhal, qui pour lui, ban du monde qui est ignorant, qui est autre qui pour un leadership. Ce qui nous persiste quand nous pouvons guetter, nous trouvons qu'aujourd'hui nous pouvons vivre. C'est un du monde qui fait un débat de travail, lui, il a un leadership pour ce bon travail, malgré qu'il est ignorant. Alors, la décision pas prend par l'émotion. La décision pas prend par l'émotion, décision on y prend à la lumière du Coran, à la lumière du Hadith, et surtout, ben nazila, ben situation nouveau, c'est avec consultation avec les autres. Avec les autres qui sont ben savants, je t'assise, je te consulte. Alors, ça pour montrer comment ben fait sacrifice. Un autre du monde, Sa'id bin Jubair, qui est un grand savant, il finit tué, ce savant-là, Sa'id bin Jubair, c'est mon frère lui-même, il finit tué par Al-Hajjaj bin Yusuf. Sa'id bin Jubair, lui, il fait un voyage depuis Koufa. Il finit Makka, c'est Tabiri, puis il apprend tafsir de un verset avec Abdullah ibn Abbas. Un verset avec Abdullah ibn Abbas. Alors, pour montrer comment la connaissance ben savant dans le passé. Et sa ummat là, tenez bien sa parole de Imam Malik. Subhanallah. Parfois, il y a nous assisés, nous guettons sa situation de l'ummat. Nous guettons un tracas, nous ne pouvons pas écouter pour commencer. Nous disons une affaire, nous disons une chose qui est bon, le talal il trouve ça pas bon. Le talal il trouve une chose qui n'est pas bon, il trouve ça qui est bon. C'est la confusion, c'est l'époque de la confusion. Il dit que le même bar, il dit ça qui est content. Il dit ça qui est content. Il permet de dire ça qui est content. Sans aucune connaissance. Alors, il trouve ça bon. Mais il dit que quelque chose qui est bien dire, il trouve ça pas bon. Qui fait parce qu'il arrive à l'époque. Le bien, il paraît comme le mal, il paraît comme le bien. La guidance, il paraît comme l'égarement, il paraît comme la guidance. Alors, c'est ça l'époque de confusion. Si le premier pas, nous sommes capables de différencier entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Qui travaille, qui ne peut faire pour Ummat? Qui travaille, qui ne peut pas faire pour Ummat? Comment nous pouvons faire réforme de sa Ummat-là si plein la connaissance? Imam al-Bukhari lui dit un chapitre dans Sahih al-Bukhari, Bab al-ilm qabla al-qawl wal-amal, chapitre la parole avant l'acte. Bab al-ilm qabla al-qawl wal-amal, chapitre la connaissance avant la parole et l'action. Alors, ça c'est comment il est important pour un dimon qui a envie de faire du bien à l'islam, qui a envie de travailler pour l'islam, il n'est pas capable de rester ignorant du dîme. Divisé, il a connaissance et pas seulement une connaissance. L'époque qui nous peut vivre pour nous faire du bien à l'islam, à l'homme, avec complexité de la situation, avec complexité, confusion qu'il y a, l'évine encore plus important pour la connaissance. Avec confusion qu'il y a dans l'époque qui nous peut vivre, avec l'ignorance qui nous propageait, l'évine, la quête de la connaissance devine encore plus important. Donc, un musulman, il n'est pas capable de faire travail pour dire basant leur ignorance. Il n'est pas capable de faire travail pour dire basant leur ignorance. Imam Ibn Rajab, il mentionne un autre point encore concernant, il t'explique ce hadith-là. Il dit comme ça, pareil comme un dimon quand dans ce dunya il y a un problème. Il peut galoper partout pour y avoir cette solution pour ce problème-là. Mais quand il y a un issue concernant ce dîme, il vient faire encore plus d'efforts pour lui résoudre sa issue là. Une jolie parole qu'il finit dire. Il dit pareil comme un démon de ce dunya quand il arrive. Par exemple, un démon est malade. De ce endroit, puis un médicament, docteur pas peut comprendre. Qu'est-ce que ce démon là n'est pas pour faire pour lui capable de guérison? Si il a pour lui ramasser l'argent, il pour ramasser l'argent. Il pour demander aide avec démon, il pour voyager dans l'état qui était pour lui aller chercher guérison. Mais
concernant nos dînes, pareillement, s'il y a un problème, qui quand c'est des efforts qu'il nous besoin faire pour nous acquérir une solution pour ce problème qui nous gagne dans nos dînes. Donc, ça, c'était le commentaire de Imam Ibn Rajab. Pareil, nous finissons mentionner une parole qui Imam Malik finit mentionner, lui dire, non, ni n'a pas pour réforme sa oummat là. Tant bien qu'Imam Malik lui dire, non, ni n'a pas pour réforme sa oummat là, excepté ça qui fait une réforme sa oummat là de ce commencement. Subhanallah. Non, ni n'a pas pour réforme sa oummat là, n'a pas pour améliorer condition de sa oummat là, excepté quelque chose qui fait améliorer situation de sa oummat là au début. Et nous trouvons quelque chose qui fait faire sa oummat là, faire l'avancement, c'est qui bandit monde qui peut faire tous les efforts pour acquérir la connaissance. Jusqu'à ce que même Omar ibn al-Khattab dans Madina, il y a un voisin, un ansari, un habitant de Madina, il y a un voisin. Il y a un travail normal. Omar ibn al-Khattab, il y a une accorité avec sa voisin là. Il dit, il te connaît. Un jour, je ne peux pas travailler, moi. Dans la journée, je ne peux pas travailler. Toi, tu ne peux pas travailler, toi. Tu restes dans ma zid avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tu écoutes tout ce qu'il lui a enseigné. Le soir, quand je sortis du travail, je viens, là, toi, tu expliques-moi qui te fait apprendre avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain, toi, tu as le travail. Moi, je reste avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le soir, quand tu retournes, je m'explique ce qu'il m'a fait apprendre. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il y a des efforts que je viens de faire pour ne pas retenir depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il est en fin de durée comme ça, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de rester à Madina près de 10 ans. Il dit 10 ans comme ça, je viens de passer, ben sahaba, pas c'est sur le bord, hein, beaucoup de sahaba, je viens de faire des efforts pour ne pas retenir depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un autre point qui Imam Ibn Rajab l'a mentionné, il mentionne Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal, étant les chiffres pour mort, il n'est pas capable de continuer sur une activité. Il dit comme ça. Mu'adh bin Jabal, il dit, innama, dans ce dernier moment, il dit, innama abki ala dhama il hawajir. Vous pouvez pleurer à cause, la cause qu'ils ont fait, dhama il hawajir, c'est à cause de la soif durant le jour en plein, quand le soleil dans le ciel. Mais dire, il y a un petit God, Suyam Rosa, Suyam, Manawafil. Il peut pleurer les semaines derniers jours qu'il y a, il est capable de ressentir ça la soif là. Il y a un petit God, Rosa, souvent, Nawafil, il peut pleurer qu'il fait, il y a un petit God, ressentir la soif. Et il dit, Wakia, Milay, Lishita, vous pouvez pleurer qu'il fait, ce dernier moment, pas capable de faire Kiyam ou Lay dans l'hiver, parce que c'est plus dur ça dans l'hiver, quand fait frais pour lever la nuit. Et il peut pleurer qu'ils aient fait, il n'est pas capable à l'assise d'un majalis de ban ulama. Ça c'est Mu'adh bin Jabal. Il peut sagrin, il n'est pas capable à l'assise de ban majalis qu'acquérir la connaissance. Subhanallah, get show qui tient les savants sahaba là, je te l'écrire pour acquérir la connaissance. Hadith a mentionné. Dans le pied devant, avec explication de l'imam Ibn Rajab, hadith a mentionné Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaka Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui prend un chemin, qui achète la connaissance, Allah facilite pour lui, pour ses efforts qu'il y fait pour acquérir la connaissance, un chemin vers le paradis. Nous avons explication qu'Ibn Rajab vient de donner. Il dit Al-Chesse prend un chemin, Al-Chesse la connaissance, il y a des sens. Littéral et métaphorique. Littéral, c'est un dimon qui sort sur la case, les morceaux, il y a dans le madrasa, il y a dans le masjid, il voyage, il prend avion, il prend bateau, il y a dans la place côté enseigne la connaissance. Ça, c'est prendre un chemin, elle cherche la connaissance, littéral. Il y en a un deuxième sens, sa phrase là, c'est lui qui prend un chemin, il cherche la connaissance, il y en a un sens métaphorique. C'est-à-dire, c'est lui qui lit. Il peut lire, il peut trapper livre, il peut faire des efforts pour apprendre la connaissance, il peut mémoriser la connaissance, il peut réviser la connaissance, il peut écrire la connaissance. Il veut dire tous les efforts, il n'est pas juste sorti physiquement. Il veut dire tous les efforts qu'il fait, assiser un livre, prendre des notes, hein, écoute, même dans la case, il peut assiser, il peut écouter, malin, il peut écouter. Ça, c'est, il rentre dans sa hadith là, c'est lui qui prend un chemin et achète la connaissance. Il faut partir là-dedans.
Alors ça c'est explication, et le Nourajam c'est pas une explication. Toujours, ben, l'explication du Coran, du Hadith, c'est pas pour nous qui nous expliquer. Nous expliquer basant l'eau, nous prenons l'explication des bains savants. Asti Haditha dit, celui qui fait ça, veut dire qu'il prend un chemin, c'est la connaissance. Allah facilite pour lui un chemin vers le paradis. Allah facilite pour lui, pour sa zéfo qu'il peut faire là, un chemin vers le paradis. Imam Nourajab de dire, Allah facilite pour lui un chemin vers le paradis, y compris là-dedans, qu'Allah facilite pour lui l'acquisition de la connaissance. Allah facilite pour lui. Un démon, il peut faire zéfo pour acquérir la connaissance. Allah donne-lui la connaissance, parce qu'il peut faire zéfo. Il peut faire zéfo. On va lui dire, Allah soumata dans le Coran, dit, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Nous finirons le Coran facile pour le rappel. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut faire zéfo pour lui tirer leçon depuis de sa Coran-là, pour lui apprendre sa Coran-là, pour lui mémoriser sa Coran-là? Alors Allah lui fait facile. Celui qui fait zéfo, Allah fait facile pour lui. Deuxième explication qui rentre là-dedans, soit là, il n'est pas contradictoire, c'est qu'Allah Ta'ala, ça dit monde qui peut faire zéfo ou cherche la connaissance, Allah facilite pour lui faire action de sa connaissance qu'il fait acquérir. Un démon, il a assisé, il fait zéfo, il écoutait. Un démon, naturellement, pas tout qui tient, il quand même mettre un écoute en pratique, iman là. Il dit, renforce aussi. Mais un dimon, il fait zéfo, il est constant. Il n'est pas, comment dire, l'étang. Une fois l'étang, il y a ses égards, il écoute une causerie. Une fois l'étang, il attrape pour un lire. Une fois l'étang, il attrape un livre, il lire. Non. Il est constant, même qu'il est petit, il est guide. Comment il a hadith mentionné, Allah, il est content, quand le serviteur, il fait une action constamment, malgré qu'il est guide. Allah, il est plus content, ça. Un dimon, il fait beaucoup d'action dans sa sens, ça, hadith, là, quand il fait un jour, il fait beaucoup d'action, après le jour, il n'est pas fait. Non. Tigit. Alors, c'est lui qui est constant dans la quête de la connaissance. Allah facilite pour lui faire action de sa connaissance qu'il est fini acquérir. Quand les prophètes disent, sallallahu alayhi wa sallam, Allah facilite pour lui un chemin vers le paradis. L'imine là-dedans aussi, qui Allah facilite pour lui faire action de sa connaissance qu'il est fini acquérir. Alors, c'est important. Il y a un petit livret. اقتضاء العلم العمل انتي livré de al-Khatib al-Baghdadi. Al-Khatib al-Baghdadi, peut-être je peux rappeler la dernière fois, tu m'as ouvert un livre qui al-Khatib finit écrit concernant ben savant qui vient faire voyage en quête de connaissances. Il finit écrit un petit livret, اقتضاء العلم العمل. Il dit la connaissance, il nécessite l'action. Il y a un dimanche quand il va prendre la connaissance, il apprend avec l'intention pour faire plaisir à Allah et pour lui faire amal. L'eau, sa connaissance là. Alors, Allah Ta'ala facilite sa djimoun là, quand il vient prendre la connaissance, Allah facilite pour lui action. Il fait action de sa connaissance là. L'autre façon qu'Allah facilite pour lui un chemin vers le paradis, il dit quand sa djimoun là, il met en action connaissance qu'il y en a, un djimoun il cherche la connaissance, il apprend, quand il connaît, il met en action, Allah donne lui connaissance de ce qu'il n'y pas connaît. Subhanallah. Un démon, il apprend une connaissance. Quand il met lui en pratique, Allah donne lui connaissance qu'il n'est pas connaît. Allah enseigne lui. Quand il met en pratique, Allah enseigne lui l'autre connaissance. Subhanallah. C'est ce qu'Allah va dire, Imam. Pardon. Imam Ibn Rajab lui dit. Pardon. Yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Il mentionne un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Allah lui augmente celui qui cherche la guidance. Allah augmente Dieu en guidance. Celui qui fait zéfo cherche la guidance, Allah augmente lui en guidance. Par contre, celui qui est assisé, il va faire zéfo, il juste écouter, il juste prend à droite, à gauche, il écoute sanana, il écoute sanana, il n'est pas à vérifier. Il utilise explique comme il dit, Akida, de samedi, il fait les choses Akida. Comment un démon, quand il suit aveugle, comment il est dangereux? Un démon, il juste accepter. Un démon, avec Jenny, il a fait accepter. Alors, comment il est dangereux, sa quitteuse là? Alors, ça veut dire qu'un démon il faisait faire des efforts pour acquérir la connaissance. Un autre point encore qui m'a dit, quand il explique, Allah facilite pour sa démon là le chemin vers le paradis, il dit dans l'akhirat. Quand sa démon là, il a pour traverse le assurat, Allah facilite. Quand il a un démon dans la acquérir la connaissance, dans l'akhirat, Allah facilite. Parce que dans l'akhirat, il y a plusieurs étapes pour traverser. Allah facilite cette étape là, y compris quand il peut traverser le assurat. Sa pont qui passe sur l'enfer, Allah facilite pour y aller vers le paradis.
Subhanallah. Alors tout cela, c'est une parole d'Ibn Rajab. Une jolie parole encore de Imam Ibn Rajab al-Hanbali. Très très jolie parole. Il dit, écoute ça, mon frère, bien. من سلك طريقا يظن طريق يظنه طريق الجنة بغير علم قد سلك أعصر الطرق وأشقها. Celui qui prend un chemin, autre chemin de la connaissance, lui pense que ce chemin-là va mener vers Jannat. Alors, il prend un chemin qui est difficile et qui est plus difficile. ولا يوصل إلى المقصود مع عسرة شديدة. Et ce chemin qu'il prend là, pas pour amener vers sa destination, malgré qu'il y ait beaucoup de difficultés. Qu'il veut dire, c'est lui qui prend un chemin, qui autre qui chemin de la connaissance pour les gagner net. Il prend un chemin très très difficile. Et malgré ça qu'il prend ce chemin difficile là, il n'est pas pour gagner le pas, il pas pour atteindre sa destination. Ça c'est parole de l'imam Ibn Rajab. Un dernier point pour nous terminer, après nous pourrons dire encore une parole de l'imam Ibn Rajab concernant l'explication de ce hadith là. Imam Ibn Rajab, quand il veut dire celui qui cherche la connaissance, il veut mentionner ça, il explique sa hadith, celui qui prend le chemin et cherche la connaissance, limite l'emphase le Al-Qur'an. Premier masdar, premier source de la connaissance, c'est Al-Qur'an. Il mentionne le verset Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Fin vin verset depuis Allah subhanahu wa ta'ala une lumière et un livre éclairé, un livre clair. Subhanallah. Subhanallah. Get comment Imam Ibn Rajab. Connaissance, je veux dire connaissance, connaissance, connaissance. Qui connaissance? Qui connaissance qui nous apprend? Nous vous trouvons aujourd'hui un ban d'imoun. Je vais prendre une connaissance qui, avec d'imoun, d'imoun qui faillible, il peut prendre ce source de connaissance, un autre d'imoun qui aussi faillible que lui. Et surtout, ban ulama dit que nous prenons connaissance, tout le temps nous retourne vers ban dans le passé. Alors, aujourd'hui, nous peut trouver dans le monde, nous pouvons une bonne interprétation. Nous pouvons dire, si pas Gog et Magog, c'est l'Angleterre, si pas l'Amérique, si pas, nous pouvons finir expliquer quand on a Kiyama, nous pouvons connaître quand on a Kiyama, nous pouvons donner une date, tout. Nous pouvons donner une explication drôle, étrange. Dis-moi, écoutez même. Dis-moi, écoutez même. Tout cas, il y a une explication drôle, l'audit dans l'islam. Tout cas, il y a une explication, une interprétation qui jamais, ben, voilà, m'a fini de donner. Je peux prendre ça avec ben, contemporain qui pas connaît que Dieu ne cesse la connaissance. Qui je te rira dans din, n'est que prend, après, explique, du monde, tu amènes ça au mimbar, c'est pas Mahdi finit prendre naissance, Imam Mahdi, c'est ses enfants de Fatim, subhanallah, du monde peut cause mensonge au din Allah, du monde peut cause mensonge au mimbar, au din Allah, du monde ignorant dans l'assemblée, personne ne peut dire non, ni. Alors, qui qualité, et quand vous dites, du monde peut dire, nous peut faire des autres dans din Allah, ce matin-là, nous peut mettre dissension. Alors, ou en colère quand on trouve ça, quand on joue avec Dieu dans l'Allah subhanahu wa ta'ala, cause n'importe qui a été causé dans l'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dévoile ben charlatan qui servit Dieu. Qu'Allah dévoile ben charlatan qui servit Dieu les autres l'avantage. Et ce qui est drôle là-dedans, il y a un précédent qui se servit Dieu dans l'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il faut vraiment faire colère. Nous en colère quand nous trouvons un non-musulman et insulté nous dîmes. Nous en colère quand nous trouvons un non-musulman insulté nous dîmes. Mais c'est moi, dans l'ignorance, nous trouvons ça normal qu'il y ait un démon qui insulte nous l'esprit. Pour cause n'importe où Allah subhanahu wa ta'ala se dîme. Pour cause n'importe où Allah subhanahu wa ta'ala se dîme. Alors ça, vraiment, il fait un démon. Donc, colère ou bien colère la cause Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons pas besoin de colère la cause nous. Nous en colère la cause Allah subhanahu wa ta'ala se dîme. Écoute, bizan colère. Ban ignorant, ban qui peine à iman, ne pas expecter des autres, excepté qu'ils se pouvaient dire tout. Mais un démon qui les comprend, supposément il a connaissance, mais il fait servir sa connaissance pour égarer des gens, pour mettre des gens dans l'égarement. Et des gens encore écouter même. Et pas première fois qu'il y a des gens qui font des choses pareilles, qui disent des choses n'importe où Allah subhanahu wa ta'ala se dit. Alors là, pour ça, un musulman, il dit, cherche avec preuve, prend dîne avec preuve. Allah Ta'ala va nous quitter sans preuve. Allah de nous l'esprit et il dit nous, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner, Ibn Rajab l'a fait mentionner, « Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin » une lumière fin vient depuis Allah et un livre mubin, clair. Réfère vers ce livre-là, « Kitabun mubin » parce que c'est pour nous savoir ça.
Oui, nous besoin apprendre bon savant, nous pas dire non, mais nous pas suivre aveugle. Kida bon mobile comme il place à l'endie sa livre là l'éclair. Comme il place à l'endie sa livre là l'éclair. Qui nous puisse lier à ta récompense avec Allah sans qu'il nous comprend. Hein? Est-ce qu'il nous puisse lire Coran sans qu'il nous comprend? Lire la même sa Coran là partie nous depuis dans l'égarement. Alors Imam de Rajab dit mention sa Coran là un lumière fait venir depuis Allah un livre qui clair Yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subul salam. Allah guide par sa livre là celui qui pêche sa satisfaction vers le chemin du paradis. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Tiezut depuis dans le noirté par sa livre là vers la lumière. Amen, zut vers la lumière. Subhanallah. Sa livre là, c'est Coran qui tient du monde. Mais c'est pas faire attention. Faire attention et n'aban charlatan qui explique Coran d'après l'esprit. Wanzelna, il est qu'un vic, l'étoubeille, plusieurs fois, nous finissons déjà expliquer ça. Comment nous comprenons Coran? Ça aussi, c'est une méthodologie. Ça aussi, c'est une méthodologie pour comprendre Coran. Allah, Ta'ala finit en voie sur Rasoul. Wanzelna, il est qu'un vic, l'étoubeille, il est qu'un vic, l'étoubeille, nous finit révéler l'auto, le rappel, afin qu'il te. Wanzala il est qu'un vic les tubayin alinasma nous il a ilayim nous fait révéler l'auteur le rappel mais tel Coran pour tout explique Jimoun qui fait révéler l'autre qui fait être révélé l'autre mais c'est ça qui explique Coran Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous pouvons dire mon frère pour tout gain explication comment pour comprendre Coran nous avons une explication que nous faisons nous faisons une daura et nous allons nous chaîne nous page de tawhid et nous faisons créer un channel sur YouTube aussi et nous allons tous les deux nous page de tawhid le YouTube aussi, nous avons une muhadara, une explication que tu fais dans Daura qui nous fait le Tawhid. Le Tawhid avant que tu fais ça de Saad bin Mu'az, la dame nous explique la source de nos aqidah, de nos croyances. Nous expliquer qui source de nos croyances et nous expliquer comment Coran, comment nous comprenons Coran. Réfère à ça, explication là, élaborer le comment comprendre Coran. Alors tout ça là, les dimanes, patience. Hein? Parce que c'est un chemin de Jannat, là, ça. Nous pas pour capable, on va dire, assiser avec facilité pour nous gagner Jannat, non. Dans toute sa confusion qui est là. Un test de pial, là, ça. Un test de pial, là, livré qui nous reçoit, sallallahu alayhi wa sallam, dire, ça, ou maintenant, il peut diviser en 73. En 73 groupes. Veut dire, c'est une seule qui peut aller vers le paradis. Veut dire, a 72 explications qui parlent bon. Hadith 73 dans l'islam. Veut dire pour 72, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un seul pour entrer dans le paradis. Si nous prenons ce hadith là, veut dire pour une seule explication qui est bon. 72 explications pour mener vers l'égarement. Alors veut dire nous devons prendre beaucoup de précautions. C'est une quitteuse de dîn. Et Allah ta'ala lui donne la guidance, c'est lui qui n'a pas taqwa. Houdel lil muttaqin. Houdel lil muttaqin. C'est lui qui n'a pas taqwa, il a la crainte. Voilà, nous arrêtons avec cette explication là ici. Naturellement, il n'est pas encore complété, il n'est encore pour aller. Il y a beaucoup de jolies paroles de Imam de Rajab qui explique ce hadith-là, qui donne nous la guidance. Qu'Allah Ta'ala fait nous, tinifirme avec connaissance du Coran. Coran expliqué par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Expliqué à la lumière de bonnes paroles de bonnes sahaba. Expliqué à la lumière de bonnes paroles de bonnes tabérines. Tabérines, parce qu'il sa propre mes générations-là, meilleure génération. Qu'Allah Ta'ala donne nous la connaissance profitable. Et il donne nous tawfik pour faire amal de sa connaissance qui est profitable là. Et qu'Allah Ta'ala lui protège nous contre une connaissance qui n'est pas profitable. Et qu'Allah Ta'ala fait nous différencier entre la vérité et la fausseté. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.